Le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, premier chef d'État arabe, a visité la Maison Blanche depuis que Donald Trump a pris le pouvoir. Al-Sissi devrait émettre le vœu que le groupe islamique Les Frères musulmans soit déclaré mouvement terroriste. L'objectif de la visite, selon son cabinet, c'est de redonner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, relations qui étaient très tendues sous Obama en raison de la répression menée par les autorités égyptiennes contre les Frères musulmans. Les deux hommes sont susceptibles de s'accorder sur le fait qu'il n'y a pas d'islam politique modéré ou non. La réunion entre les deux dirigeants intervient à un moment critique pour Al-Sissi. Des mois après la levée des restrictions sur le taux de change du pays, l'inflation annuelle a atteint plus de 30% et la valeur de la livre a diminué de moitié par rapport au dollar.